Dans l'excellent livre de Jean-François Remonté. Oui, qu'on va montrer d'ailleurs. Puisque vous et êtes Simone Depoux, il faut tout faire soi-même ici. Je vais donc vous montrer à la caméra. Alors, Remonté est un grand réalisateur. Simone Depoux, oui, c'est un très bon réalisateur de radio et qui a consacré ce livre à ce qu'on appelle les années radio, qui pour moi ne sont pas terminées, mais je dirais même qu'elles commencent, les années radio. Et oui, comme tout le monde sait, vous êtes directeur des programmes. Ce n'est pas parce que je suis directeur de France Inter que les années radio commencent, mais je crois que jamais la radio ne s'est si bien portée. Alors que ma chère Caroline nous fait savoir que dans ce qu'on appelle le PAF, tout n'est pas toujours facile. Et oui. Enfin, dans toutes les émissions qui suivent votre vie au niveau radio, il n'y en a pas eu 36, mais elles ont duré. Il y a eu la première sur Europe 1. Vous verrez, c'est les 50 premières années qui sont très dures à la radio. Ouais. Après, ça va tout seul. La première, au bout de 3 siècles de radio, mais c'était le magazine de Pierre Bouteiller. Je n'avais pas trouvé de nom, alors... Non, la première, c'était pas ça, c'était Europe 1. Où est-ce que sont mes petites fiches? Vous en savez plus que... Mais vous devez le savoir, plus que quand moi, même. Ça s'appelle « Je sors pour vous ». Ah, c'est exact. Et oui. Je sortais pour vous. Et puis, vous avez été foutu à la porte parce que vous aviez un tempérament un petit peu comme ça, insolent. Pas du tout. Ça ne plaisait pas à l'époque, maintenant ça marche. C'était après mai 68. Ouais. J'étais foutu à la porte d'Europe comme neuf. Je n'étais pas une victime, on était plusieurs. On était une charrette de journalistes qui était un peu impertinent. Ouais. Et puis... L'impertinence qui est maintenant et un mot d'ordre. Et qui paye maintenant. Hein. Bah, qui est un mot d'ordre, plutôt un mot de désordre. Oui, ouais. C'est une question de mode finalement. Oui. Hein. Enfin, vous savez, mai 68, il aura fallu plus de 20 ans, 22 ans pour comprendre. Moi, j'ai eu la malchance de comprendre trop vite. Donc, j'ai été foutu à la porte d'Europe. Et c'est pour ça que attaqué... la joie d'être parmi vous. Et oui, non, mais vous avez attaqué France Inter. J'ai pas attaqué France Inter. Avec attaquer, ça veut dire commencer. C'est une chose qui s'appelle le magazine. Absolument, c'est Roland Dordain qui était un très très grand directeur de radio. Je voulais profiter de l'occasion pour le dire. Un très grand directeur de radio, Roland Dordain. Il va être content. Mais c'est normal, il faut lui rendre hommage, comme on lui rend hommage dans ce livre, et qui est venu me chercher, et qui, je me rappelle très bien, m'a dit écoutez, votre émission m'emmerdait sur Europe, venez la faire chez moi. Je trouvais ça plutôt sympathique, parce que j'étais quand même au chômage et tout. Autant s'emmerder chez soi que sur les ondes des autres. Oui, vous entendre, ça veut dire. Ça l'emmerdait de savoir qu'une émission qu'il trouvait bonne. Ah bon, d'accord. Ah oui, ça l'emmerdait de savoir. Savoir qu'elle était à Europe et pas j'ai compris. En Inter. Alors je suis venu après. Ah, oui. Donc j'étais en chômage, la misère, Zola et tout. Il est venu me recueillir et j'ai commencé à France Inter. Vous allez nous faire pleurer. Oui. Kleenex Story. Et alors... puis c'est comme ça que je suis. Mais arrêtez-moi si je suis trop long. Parce que non, mais je voudrais qu'on retourne un petit peu sur toutes ces radios qui nous entourent et qu'on continue un petit peu la description. Déjà, on sait qu'il n'y a pas de poste à Galène. Déjà, ça, on sait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, s'il y en a un là-bas. L'exposition qu'il y a ici, en quelque sorte, c'est un peu l'histoire du son. C'est ce que j'ai essayé de faire parce qu'en fin de compte, on aurait pu ramener des milliers de radios, des milliers d'objets. Et ici, on a un petit peu toutes les périodes qui sont restituées à travers des designs, surtout, je dirais, les formes qui sont intéressantes, je dirais, pour les gens qui regardent dans la télévision. Et puis, on va voir, donc, ça démarre un petit peu avec le bois. Ensuite, on passe. C'était des meubles au départ, carrément, hein, et toute la famille se réunissait. On regardait la radio, toute la famille était installée, et puis regardait la radio. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les designers qui les fabriquaient. Il y a des gens qui écoutent la télévision. Tout à fait. Tous les designers qui les fabriquaient ont fait autant d'efforts. En France, il y avait des centaines de fabricants de radios. Ça, il faut le savoir également, ce qui fait qu'il y a une multitude de formes, une multitude d'objets. Ensuite, on va passer à la bakélite après le bois. C'est ce qui était avant-guerre aux États-Unis, qui est venu après-guerre en Europe. Et bon, c'est ces formes un petit peu spectaculaires, comme cette crosslet qui fait un peu à calandre de voiture, ou cette zénith là qui est un petit peu... Celle-là. Vous m'avez montré tout à l'heure, finalement, on n'invente rien, le premier Walkman. Oui, enfin, c'est pas un Walkman, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Non, mais qui pouvait faire office de... C'est américain. Enfin, je vais aller chercher si la caméra ne s'embrouille pas sur mes... Voilà. Disons que ce qu'il y avait d'intéressant avec ça, c'est qu'on pouvait mettre un disque, on mettait une pile, les vieilles piles, et puis on écoutait son disque, tout simplement. Ça, c'est le bras. C'est quand, ça? Oh, c'est formidable. Ça doit être 62. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Est-ce que vous pouvez l'incliner sur la caméra? Oui, sur la 2. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est qu'en fin de compte, il faut savoir que le matériel... les idées, en général, partent d'Europe et d'Amérique. Dans tout ce qui est matériel. Alors on a par exemple là-bas un ampli qui a 30 ans d'âge, c'est l'ampli Macintosh 275, qui est une pièce très très rare. Ouais. Les Japonais en sont les plus grands consommateurs en fin de compte, et toute l'électronique actuelle, les amplificateurs actuels, les MIDI chaînes, tout ce que tout le monde connaît, part à partir de cette sonorité. C'est la base, l'objectif, c'est d'essayer de restituer ce son-là. Est-il exact que effectivement le son des lampes est bien supérieur au son transistorisé et qu'indépendamment du snobisme du vieil ampli, on n'aurait jamais retrouvé la qualité? Alors à ce niveau-là, les lampes sur le papier par rapport à un transistor, la lampe est supposée être moins bonne. Aujourd'hui, les plus grandes marques de matériel IFI, les plus ésotériques, un peu comme cette enceinte transparente. Non, mais ça, c'est l'an 2000, hein, carrément. Oui, mais également, je parle de l'an 2000 en amplificateur. On reprend les techniques à lampe et on recommence à fabriquer de la lampe parce que sur le papier, c'est moins bon, mais à l'oreille, c'est beaucoup plus agréable. Mmh. À tel point qu'il existe le meilleur compact disque actuellement considéré dans le monde est un compact disque à lampe.
où on utilise également des tubes. Donc, c'est cette technique qu'on utilisait dans les années... Vous vous rappelez toutes les radios que vous avez eues, Marcel Amont et Pierre Boutelier? Non, mais il y a une chose, je me souviens pas de ça, mais il y a une chose qui me frappe quand même. Il y a des choses qui sont présumées meilleures sur le papier, mais quels sont les critères pour quelque chose ben, vos oreilles. Ça s'adresse vous à l'oreille. Ça s'adresse à l'oreille, ça ne s'adresse pas au papier. Tout à fait, tout à fait. Tout à comment fait. Peut-on décider de quelque chose qui dépend du son sur du papier? Je vais vous expliquer simplement. Quand on écoute une enceinte, il y a une bande passante, c'est-à-dire qu'il y a comme un électrocardiogramme. Mais il y a également une réalité de l'écoute. Dans la mesure où le son, c'est une sensation, on écoute une enceinte et on ne regarde pas sa fiche technique. Ben au niveau de la fiche technique, un ampli à transistor peut paraître de meilleure qualité. Au niveau d'une écoute pure, un ampli à lampe provoque une plus grande émotion. Je parlerai de dans ces années radio, Pierre Boutelier, finalement, l'âge d'or, c'est les années 50, l'arrivée de la télé fin des années 60. Non, 60 aussi, parce que quand même, les années 60, ça a correspondu à... toute une série d'éléments qui ont enrichi la radio. Il y a eu d'abord la transistorisation, la mobilité de l'écoute également du micro-sillon qui a explosé, Marcel le sait bien. Le micro-sillon, 45 tours, plus la transistorisation, ça a décuplé l'écoute de la radio. Il y a également la conjoncture politique. C'était les années de la décolonisation, c'était les années de Gaulle, c'était les années de la fin de la quatrième, du passage à la cinquième. Donc il y a eu une écoute de la radio à l'époque où la télévision était encore pataude et ne pouvait pas se déplacer beaucoup. Il y a eu une écoute pour l'information, l'actualité en particulier, l'actualité postcoloniale et politique qui a été énorme. Ce qui fait que ça a fait monter l'audience des postes et surtout à l'époque Europe numéro 1. Quelle est l'émission et l'animateur qui a vraiment marqué ces années pour vous? Il y en a eu beaucoup, je ne sais pas. C'est pas Jean-Noël? Ah non, c'est avant, non, Jean-Noël, c'est bien avant. Moi, je ne sais pas, c'est... Chancel? Radioscopie, c'est vrai que ça a été un exemple. Radioscopie a été une très grande émission. Non, mais il y a eu, je crois, c'était... Excuse-moi de citer... Vous voyez, je ne suis pas rancunier, j'ai eu beau être foutu à la porte d'Europe numéro 1, je cite souvent Europe numéro 1, mais c'est vrai qu'au point de vue information, on n'a jamais refait mieux en matière de radio que l'époque d'Europe numéro 1 dans les années 60, c'est-à-dire avec Siegel, Gorny, cette équipe-là, puis les animateurs, c'est... C'était Belmar, Arthur. Oui, c'était Maurice Biro, c'était... Ouais. J'ai entendu dire, et c'est un débat maintenant à propos de la Roumanie, où on a trouvé que les images de télévision, pour vivantes qu'elles soient, étaient un peu trop hâtives, il paraît qu'on se replie de nouveau dans l'information du moment sur la radio. Mais il y a 80% de Français qui écoutent au moins une fois la radio par jour. Donc finalement, il y a la télévision, mais il y a toujours la radio. Vous savez, aucun média ne tue l'autre. La télévision n'a pas tué le cinéma n'a pas tué le théâtre. La télévision n'a pas tué la radio, ce n'est pas vrai. Ouais. Et la radio vivra toujours. Et la télévision aussi, d'ailleurs.